Donc là, c'est un exercice un petit peu particulier puisque c'est une grille de blues et l'idée, c'est de faire quelque chose d'assez simple et d'assez abordable. Donc la première fois que j'ai écouté le playback, mon idée, c'était de voir comment j'allais pouvoir justement l'exploiter avec des choses vraiment simples et qu'on peut utiliser facilement. Voilà. Techniquement, en fait, il y a beaucoup de tirés, de pull-off. J'ai beaucoup essayé de jouer sur la dynamique en me servant du volume, du bouton de volume et du sélecteur de micro. Je pense que c'est ce qui ressort principalement, en fait, techniquement, ce truc-là, qui est pour moi l'une des choses les plus importantes chez un guitariste. En fait, voilà. Donc, harmoniquement, donc, il y a trois grilles qui suivent. Donc, la première grille, j'ai tout joué en pentade de la mineure pour faire quelque chose vraiment de très simple, en faisant des répétitions de phrases et en montrant justement qu'on peut, avec des choses très très simples, juste en répétant, en laissant de l'espace, faire quelque chose d'intéressant. La deuxième grille, donc, j'ai introduit la notion de la majeure. En fait, pour montrer une autre sonorité et d'une certaine manière pour montrer aussi qu'en faisant les mêmes phrases, mais en les décalant de trois cases pour obtenir la sonorité majeure, pour montrer qu'on pouvait finalement doubler son vocabulaire et renouveler un peu son vocabulaire. Et sur la troisième grille, en fait, j'ai joué le mode mixolydien, la mixolydien, puisqu'on joue sur des accords de septième. Donc j'utilise le mode mixolydien de là. Ce que j'ai fait aussi, c'est que à partir de la deuxième grille, en fait, systématiquement, je suis les accords. C'est-à-dire que sur l'accord de la, je joue la, sur l'accord de ré, je joue ré, et sur l'accord de mi, je joue mi. Voilà. Alors, le conseil, ça serait d'être bien au clair avec la gamme pentatonique mineure, déjà dans un premier temps, même si c'est juste un schéma. Mais voilà, et de bien travailler le toucher, la justesse des tirés, les vibrés, etc. C'est ce qui est vraiment le plus important. Et voilà, et c'est ce qui permet de jouer finalement avec des phrases simples. C'est parce qu'on peut se reposer finalement sur un toucher qui est très efficace et qui fonctionne. Voilà. Donc attention à ça, c'est très important.